Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission hebdomadaire Le Grand 7. Ce midi, nous parlons de pollution plastique. Cette semaine, le monde commémorait la Journée mondiale de l'environnement sous le thème « Solution à la pollution plastique ». Saviez-vous que le Cameroun produit 600 000 tonnes de déchets plastiques chaque année ? Joël Lomor Ndo, responsable communication Isakam Douala, est l'invité de Grand 7. Avec lui, nous verrons comment sortir la tête des ordures et qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. À tout de suite. Le monde bouge, l'Afrique encore plus. Voyons ce qui s'y est passé tout au long de cette semaine. Vous l'avez compris, c'est l'instant roundup. Bonjour et bienvenue à ce round-up de l'actualité de la semaine. Nous démarrons en Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo a réclamé sa réinscription sur le fichier électoral. Il n'acceptera pas que son nom soit sali. Il l'a filmé jeudi devant un bureau de la commission électorale indépendante. L'ancien président ivoirien a déposé cette semaine un recours pour que son nom soit réintégré dans le fichier électoral. Laurent Gbagbo compte bien voter aux élections locales le 2 septembre prochain dans le pays. Élections également au Gabon, l'engouement autour des élections du 2 septembre prochain est tel que le délai d'inscription initialement prévu pour le 8 juin a été reporté au 11 juin suivant. L'affluence des potentiels électeurs dans les différents centres d'enrôlement de Libreville a contraint la police à contenir les milliers de Gabonais faisant la queue dans les 10 centres. Au Sénégal, Macky Sall va s'adresser au peuple à la fin du dialogue national. Il l'a affirmé cette semaine, il va s'adresser à la nation à la fin du dialogue national qui s'est ouvert le 31 mai dernier. Une annonce faite alors que le pays est plongé dans le chaos depuis la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 années de prison pour corruption de la jeunesse. En Ouganda, récemment adoptée par le Parlement, la loi anti-homosexualité soulève des vagues de contestation. Dans son discours d'État à la Nation cette semaine, le président Yoweri Museveni a réaffirmé son soutien à cette loi qu'il a promulguée en début de semaine malgré les pressions des partenaires internationaux. En Afrique du Sud, le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a été reçu à Pretoria cette semaine par son homologue Cyril Ramaphosa. Une visite qui a intervenu dans le cadre de la traditionnelle célébration à l'étranger de la semaine de la fête nationale du Portugal. Une occasion pour le président portugais de commémorer avec ses compatriotes installés en Afrique du Sud. Au Tchad, après les régions du nord et de l'est, le président de transition Mahamat Déby Idno a fait un tour dans la région du sud. Le président tchadien a entamé le 5 juin dernier une visite dans les différentes régions du pays pour tenter de ramener la confiance et apaiser les cœurs après les violentes répressions d'octobre 2022. Une visite qui, selon une frange de l'opposition, révèle des relents de campagne électorale. Au Cameroun, loi de finances 2023, pour la 6e année consécutive, le Cameroun vient de modifier sa loi en cours d'année. Le président de la République, Paul Biya, a signé cette semaine une ordonnance modifiant la loi de finances 2023. Alors qu'elle avait fait l'objet de grosses controverses, le budget de cette année augmente donc de 367,7 milliards de francs CFA et celui des comptes d'affectation spéciale progresse de 14,1 milliards de francs CFA.
toujours en économie cette semaine, a vibré au rythme de l'Africa CEO Forum. Quel avenir pour l'économie du continent africain? C'était la question au cœur des échanges à Abidjan. L'Africa CEO Forum, le grand rendez-vous des dirigeants économiques, s'est ouvert lundi en Côte d'Ivoire avec près de 2000 décideurs de haut niveau venus de différents pays africains. En Afrique du Sud, des sépultures de la préhistoire ont été découvertes par le paléontologue Lee Berger. L'Américain d'origine a fait ses trouvailles cette semaine et ses tombes dateraient de 200 000 voire 300 000 ans. Elles contiennent des ossements d'Homo naledi qui signifie étoile en langue sud-africaine, des cousins lointains des Homo sapiens. Des nouvelles du Kenya, du massacre de la forêt de Chakaola. Le gouvernement veut convertir la forêt en un site commémoratif en mémoire des fidèles décédés. Le prétendu prophète Mackenzie est toujours en justice où son procès se prépare. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Joël Olomondo, responsable communication Isaacam Douala. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau de l'émission Le Grand 7. Merci, merci pour l'invitation, pour cet honneur que vous me faites. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Alors, les emballages plastiques sont la chose la mieux distribuée dans les espaces marchands du pays. Les grandes surfaces demeurent accros à la pratique du suremballage et les consommateurs dans tout ça, dans les rues de Douala, ils ont une petite idée sur la fin de vie de ces emballages. Les Doualais, pas éco-responsables, élément de réponse avec vous, Stéphane Dibébé. Compagnon fidèle de tous les ménagères, le plastique est l'une des prouesses de la chimie industrielle. Il n'en demeure pas moins vrai cependant qu'il constitue un véritable drame pour la santé humaine. Les déchets plastiques pillent les artères de nos villes au quotidien. En moyenne, le Cameroun en produit 5000 tonnes de déchets plastiques par an et à peine 1000 sont incinérés. Mais où se terminent ces déchets plastiques? L'homme de la rue à ce sujet a sa petite idée. On s'est rendu compte que nos déchets plastiques achèvent leur course malheureusement dans les zones humides, c'est-à-dire les océans, les fleuves. Or, sous d'autres cieux, les gens ont déjà pris conscience de l'impact qu'ont les déchets plastiques aujourd'hui, ce qui fait qu'une fois que ces déchets plastiques-là sont utilisés, on les collecte, ou alors on les donne aux sociétés de recyclage, ce qui fait que très rapidement, on les retrouve encore sur le marché. C'est-à-dire quoi? Dans des pays en voie de développement, on se retrouve encore avec des plastiques où une pléthore se retrouve dans des océans. Par contre, sous d'autres cieux ou dans des pays développés, on retrouve ces mêmes plastiques utilisés hier sur le marché. C'est-à-dire qu'une fois, quand on a fini de l'utiliser, on remet aux sociétés de collecte et de recyclage. Ce qui fait que le cycle recommence facilement. Par contre, chez nous, malheureusement. Je pense plus que quand on dépose les poubelles et qu'ils passent récupérer, arrivés, ils font des tris. Ils envoient les plastiques d'un côté et les matières, on dit dégradables de l'autre côté, oui. Bon, je ne sais pas si c'est pour le pétrole, je ne sais pas trop. Ils laissent les matières pourries, c'est qui pourrit. Et maintenant, pour le plastique, je ne sais pas. Malgré la clameur de la communauté internationale ce 5 juin, les machines de production continuent de tourner à plein régime. Chaque année, les habitants de Douala au Cameroun subissent de dangereuses inondations dues à la pollution plastique qui bloque le drainage des eaux pendant la saison des pluies. D'abord, la solution, c'est la sensibilisation. Parce que, vous savez, l'ignorance est un chaos. Il y a la prévention. Et ensuite, il faut passer au recyclage, la réduction. Et en fait, entamer la phase d'élimination graduelle, même si c'est une utopie dans un monde globalisé où il y a quand même une dichotomie entre les fabricants et puis les politiciens. Donc moi, je pense qu'il faut aller vers les solutions alternatives, mais ne pas surtout ignorer qu'il y a des sanctions qui existent, il y a des instruments juridiques qui encadrent les sanctions. Je prends par exemple l'arrêté
l'arrêté commun entre le ministre de l'Environnement et le ministre de Commerce, c'est un arrêté conjoint qui interdit la fabrication et la commercialisation des déchets de moins de 60 microns d'épaisseur. Avec une durée de vie estimée à plus de 400 ans, les déchets plastiques ne pèsent presque rien, mais ils se dispersent facilement pour augmenter la pollution des milieux. Merci Stéphane Dibébé. Alors Joël Olomondo, on vient de le voir en image et je vous pose à vous la question. Quel est l'état des lieux dans la ville de Douala? Oui, Douala est un cas assez particulier de par déjà sa structuration et on serait tenté de dire que Douala n'est pas un bon cas d'école, notamment lorsqu'on fait le constat d'un certain nombre de dérives qui partent de la nature du comportement des individus qui aboutissent en aval avec les différentes conséquences qu'on peut retrouver. On a notamment beaucoup de drains qui sont pollués de matières plastiques avec les conséquences des inondations et des conséquences même sur la santé des populations. Donc, à Douala, on peut dire que la situation est préoccupante et l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement est une occasion pour que les gens prennent suffisamment conscience pour essayer d'inverser la tendance. Alors, lorsqu'on parle de traitement des déchets plastiques, pour ce qui concerne la ville de Douala, combien cela peut coûter? Bon, ce qu'il faut dire d'ailleurs, pour une structure comme la nôtre, c'est que il faudrait d'abord interroger le contrat. Le contrat d'ISACAM parle du traitement des déchets ménagers. Alors vous voyez, quand on est dans une société où on fourre tout, c'est-à-dire il n'y a pas de tri sélectif en amont, cela peut suffisamment poser un certain nombre de questions. Ce qui voudrait dire que pour ce qui est du traitement, on est parti pour traiter tout ce qu'on a collecté en amont. Alors, à partir du moment où on a collecté les déchets biodégradables et les déchets parfois non biodégradables, on traite selon les conventions arrêtées avec le client qui est principalement la communauté urbaine de Douala. Maintenant, pour ce qui est des matières plastiques plus spécifiquement, on peut dire que les coûts de traitement sont élevés. Ils sont élevés par rapport aux coûts liés au traitement des déchets dits organiques. Vous pouvez, on peut estimer à environ 15 000 francs la tonne de déchets traités pour ce qui est des matières plastiques. Et le Cameroun produit 600 000 tonnes, je l'ai dit à l'entame de l'émission. Tout à fait. Donc cela pose véritablement un problème. Chaque année. Tout à fait. Alors, il y a encore quelques années, la principale entreprise de traitement des déchets domestiques dans le pays se positionnait comme pionnier du recyclage des déchets plastiques. Aujourd'hui, le projet semble être en berne. Pourquoi? Bon, le projet fait appel à plusieurs acteurs et ISACAM a mobilisé à son niveau un ensemble d'éléments, un ensemble de technologies, un ensemble et même quelques ressources financières, mais le projet n'a pas connu une fin heureuse parce que les autres acteurs ne se sont pas mobilisés autant que nous. C'est un projet qui était destiné justement à révolutionner l'environnement dans le domaine de la gestion des déchets plastiques, mais les politiques n'ont pas suivi, les populations n'ont pas forcément adhéré et un certain nombre de ressources aussi ont fait défaut, ce qui a occasionné un peu l'arrêt ou tout au moins on peut dire la mise en suspens de ce projet. Quels sont les acteurs qui entrent en jeu? Les acteurs qui entrent en jeu, vous avez les producteurs de la matière plastique, et je ne vais pas faire de la publicité non, ici. Surtout voilà, pas. Tout, voilà. Vous avez les politiques. C'est important que les politiques également jouent leur rôle pour pouvoir définir ou bien définir le cadre institutionnel, le cadre même juridique
pour pouvoir gérer ce type de déchets. Et vous avez également les acteurs en aval qui sont ceux qui sont des filières qui récupèrent ce plastique pour la production des produits dérivés. Donc, tout cela n'a pas été mis ensemble. Certains jouent leur rôle, certains jouent leur jeu, d'autres n'ont pas suivi. On n'a pas pu véritablement avoir quelque chose de positif. On a bien compris ce que vous venez de nous dire, Joël Olomo, mais les grandes surfaces accro au suremballage, c'est une évidence. Des déchets plastiques qui finissent après usage, qui finissent dans des drains. Alors, j'aimerais encore vous poser la question, qu'est-ce qui coince réellement, de manière spécifique? Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que cela a un coût. Cela a un coût, donc il ne faut pas négliger cet aspect. Cela a un coût. Bon, maintenant, est-ce que les structures sont prêtes à investir dans ce domaine? Parce qu'il y a là un problème environnemental. Il y a un problème financier quelque part. Et il y a même un problème climatique, il y a même un problème social. Alors, pour revenir au drain, dans un drain, il n'y a pas que des bouteilles plastiques d'une entreprise X. Il y a des bouteilles plastiques d'autres fabricants. Alors, si l'entreprise X se positionne ou s'investit dans la résolution du problème et que les autres restent en marge de tout ce qui va être déployé comme batterie, vous voyez que cela va poser véritablement un problème. Parce que pour les équipements de collecte des déchets plastiques, si vous prenez le cadre des équipements, des machines, quand vous envoyez votre godet dans un drain, ce godet ne sélectionne pas les bouteilles. Il va prendre tout type de bouteilles confondues. Mais est-ce que les autres acteurs se sont associés au projet? Quand je parle de s'associer, c'est également mettre les moyens, mettre les ressources. Le politique a son rôle à jouer. Ces entreprises qui produisent d'énormes quantités de bouteilles plastiques ou des autres formes de plastique, quelle est leur responsabilité sociale, leur responsabilité environnementale? Mais Joël, est-ce que les grandes surfaces qui distribuent, qui mettent en vente, dans lesquelles on retrouve ces emballages plastiques ne devraient être pas rappelés à l'ordre? Surtout qu'on sait que certains produits ne nécessitent pas forcément des emballages plastiques. On a des fruits, on a des légumes. Est-ce que ces grandes surfaces accro au suremballage ne devraient-elles pas être rappelées à l'ordre? Tout à fait. Vous verrez ma gêne ici à vouloir prendre le rôle de l'État ou bien à travers ces nombreux démembrements. C'est là où intervient le politique. Effectivement, ces grandes surfaces devaient faire valoir leur responsabilité environnementale, leur responsabilité sociale, en mettant en place un certain nombre de dispositifs qui, à la limite, peuvent limiter la consommation ou bien l'usage de ce type d'emballage et proposer des solutions alternatives. Il devrait, au niveau des démembrements de l'État en charge de ces aspects, de créer les conditions de contrôle, de surveillance, d'obligation à un certain nombre. Il faudrait qu'il y ait des contraintes pour que les gens puissent s'aligner, puissent respecter les lois. Plusieurs fois, on a vu des mesures prises par le gouvernement. Comment comprendre qu'à chaque fois, ces emballages plastiques non biodégradable, c'est bien cela, existe toujours sur le marché? C'est un problème d'incivisme. J'ai pas envie d'employer le terme de banditisme, en quelque sorte, parce que les gens trouvent le moyen de contourner les lois, les gens trouvent les moyens de se faire de l'argent à travers un certain nombre de lois. Parce que la répression n'est pas si ferme. Tout à fait, on peut le dire ainsi. Mmh. Mais je pense que sur le terrain, l'État fait avec ce qu'elle peut. C'est avec ce qu'il peut. On peut observer des formes de répression, des formes de confiscation d'un certain type de produit. Mais je dis, nous sommes dans un domaine où les gens trouvent les moyens de contourner ces mesures-là pour pouvoir se faire de l'argent, pour ne pas respecter toutes les dispositions de la loi. Mais il faudrait simplement renforcer les outils de contrôle, les outils de répression pour qu'on arrive véritablement à... C'est comme
comme les accidents de circulation, on essaie de tendre vers l'objectif zéro accident, mais on rencontre encore quelques accidents, malgré toutes les batteries de mesures qui sont mises en place. Alors, j'aimerais qu'on parle à présent du recyclage et du tri. Est-il toujours facile, évident d'élaborer ce type de processus avec une population qui ne... On va dire ça, on va, comment le dire, qui n'intègre pas forcément cette notion du tri? C'est très compliqué, c'est vraiment difficile, je peux vous le dire. Nous qui sommes au contact au quotidien des populations et qui avons la charge de la gestion des déchets ménagers, c'est un problème d'éducation d'abord à la base, un problème de culture. Donc il n'y a pas véritablement une promotion de la culture de la propreté ou même de la culture du tri. Il n'y a pas suffisamment de levier, de motivation, il n'y a pas suffisamment de politique qui contraint les gens à le faire. Ce qui fait en sorte que ça peut prendre beaucoup d'années pour amener les gens à se conformer ou à s'adapter à ce mode de gestion des déchets que j'ai envie de dire qui est révolutionnaire, qui peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, il faut insister sur la sensibilisation, il faut insister sur l'éducation des masses, il faut beaucoup plus même commencer au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau même des manuels scolaires, on pourrait essayer de... Quelle est la méthodologie à utiliser pour ces populations qui, dans un véhicule, arrivent à jeter des ordures, des déchets plastiques à travers leur vitre? Vous pensez que quelle peut être la méthodologie efficace pour changer ce genre de mentalité? Je pense qu'il faut utiliser la célèbre phrase du bâton et de la carotte. Il faut à la fois sensibiliser, il faut quelquefois des doses de répression, des amendes, des instruments, des outils qui peuvent vraiment contraindre les gens à se conformer. On ne peut pas tout de suite là sanctionner les gens. Il faudrait qu'on ait suffisamment donné d'outils aux populations. Il faut qu'on ait suffisamment également réussi à faire comprendre aux populations l'intérêt de faire le tri, le recyclage au niveau du ménage avant que cela n'arrive au niveau des unités de traitement. Qu'est-ce que... on a parlé ici des manquements des politiques en ce qui concerne ces répressions. Qu'est-ce que ça va coûter au Cameroun, cette attitude quelque peu hasardeuse dans la gestion des déchets plastiques? Ça coûte déjà beaucoup, oui, au niveau de la santé des populations. On sait tous que le plastique, la consommation du plastique, ce matin encore, avec votre permission, je faisais un tour au niveau d'un marché de la cité économique et je voyais encore des femmes qui emballaient la nourriture avec du plastique. Mais est-ce que ces femmes qui emballent de la nourriture, est-ce que les consommateurs mesurent l'impact, le danger vraiment qu'ils encourent au moment où ils vont consommer ce type de produit-là? Donc, la santé des populations peut prendre un coup. Il y a un certain nombre de maladies qu'on pourrait contracter du fait de cette consommation-là. Il y a des problèmes, il y a des enjeux économiques, c'est-à-dire toutes les ressources financières qu'on va mettre en jeu pour combattre la pollution plastique sont des ressources qui peuvent être affectées à d'autres secteurs d'activité de la vie publique et permettre au gouvernement de résoudre un certain nombre de problèmes. Parce que la pollution plastique, la lutte contre la pollution plastique coûte cher à l'État. Il suffit simplement que les gens se conforment, il suffit simplement que les gens respectent un certain nombre de prescriptions pour que l'État puisse faire un certain nombre d'économies. Il y a également des conséquences sur le climat. Alors, où se retrouvent les 8 millions de tonnes de déchets plastiques? C'est dans les mers, dans les océans, avec cette pollution de la faune et aquatique. Et cela peut avoir des conséquences lourdes sur la consommation, par exemple, des poissons et également la contamination de cette faune aquatique. Donc, il est important de rechercher les outils qui puissent contraindre les gens à se conformer. Alors, j'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'on ne va pas se dire que les populations
où les espaces, les grandes surfaces se retournent beaucoup plus sur ces emballages plastiques parce qu'on n'a rien proposé de mieux pour conserver ces produits-là. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on utilise les emballages plastiques? Parce qu'il est facile d'usage. On l'utilise une fois, on le jette. Il est très facile. Donc, il y a un aspect ergonométrique, il y a un aspect économique. Facile, moins coûteux. C'est pour ça qu'il y a cette propension à utiliser ce type d'emballage. Mais il y a des alternatives qu'on peut proposer. Bon, maintenant, après ici, il va falloir faire des comparaisons. On peut substituer l'emballage plastique par des emballages en carton. J'ai vu certaines pharmacies le faire. Et lorsque vous entrez dans une pharmacie, on vous emballait vos produits à base d'un emballage papier qui est moins polluant que l'emballage plastique. Mais par la suite, il y a une sorte de laisser-aller, un relâchement au niveau de ces pharmacies-là. Donc, les gens vont vers la facilité. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais il est important de leur proposer des solutions alternatives. Et il faut également, et j'ajouterai cela, faire des propositions incitatives. Il faut inciter les populations également par des mesures qui vont les amener à laisser l'emballage plastique. Il a existé des politiques qui ont consisté, par exemple, pour des populations ou des consommateurs particuliers dans certaines surfaces ou bien dans certaines entreprises, à remettre un certain nombre d'emballages plastiques contre des gains additionnels. Ça peut être un produit, une plus-value, un produit autre que celui que vous avez consommé. Donc, on peut, dans la mesure du possible, également proposer des mesures incitatives, c'est-à-dire, vous me donnez ceci qui est polluant, je vous donne ceci qui pourrait également vous aider au quotidien. Au niveau de votre entreprise qui représente quand même la principale entreprise de gestion des déchets domestiques, qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Au niveau de notre entreprise, il faudrait d'abord comprendre la difficulté qu'il y a en amont. Et on l'a déjà relevé tout au long de cette émission, l'absence de tri. À partir du moment où il n'y a pas de tri en amont, il va être difficile de faire le tri en aval, c'est-à-dire au moment où l'ensemble des déchets arrive au niveau de nos décharges ou bien de nos centres de traitement des déchets, puisque tout est mélangé. Quand tout est mélangé, il vous est difficile de faire ce trait-là. Maintenant, il y a également la conformité contractuelle. La conformité contractuelle qui voudrait que tout l'ensemble des déchets soient enfouis sous terre. Ça, c'est ce que le contrat dit. Ça, c'est ce que demande la ville de faire. Parce qu'il existe plusieurs modes de traitement. Ça, il faut le dire. Peut revenir, hein. N'hésitez pas sur les modes de traitement. Tout à fait. Il y a l'incinération, il y a la valorisation, il y a l'enfouissement sous terre. Alors, au Cameroun en particulier, encore, nous sommes dans le mode d'enfouissement sous terre. Donc, tout est enfoui. Mais on connaît, on mesure les conséquences de l'enfouissement, parce qu'il y a la pollution des sols, par exemple. Donc, ça peut là poser un problème. Mais on essaye, avec quelques unités de travail au sein de nos centres de traitement des déchets, de procéder à la séparation de ce type de déchets. On recherche un type de déchets qui peut être valorisé. Et aussi, au niveau de nos centres de traitement des déchets, vous avez des petits artisans, des personnes qui vivent de ce métier de recyclage, c'est-à-dire les déchets arrivent au niveau de la décharge et ils procèdent à cette sélection-là. Et nous avons des petites unités de production de pavés,
des pavés, également des petites unités de production, des tuiles pour les maisons. Mais je voudrais dire que nous ne sommes pas encore à l'échelle industrielle. Nous sommes dans une phase expérimentale. On peut produire, nous produisons du pavé à partir des bouteilles plastiques, par exemple, et des tuiles. Donc, pour le moment, on l'utilise à l'échelle domestique pour revêtir nos routes au niveau de la décharge ou à certains endroits. Parce que cela également demande un certain type d'investissement. Et vous n'êtes pas sûr de rentrer dans votre investissement si d'aventure vous essayez de le mettre à une unité industrielle. Donc, il y a un ensemble de choses qui sont faites. L'autre chose, c'est que vous avez des récupérateurs qui s'aventure à collecter ce type de bouteilles qui peut faire l'objet de transformations pour la production de produits dérivés. Donc, il en existe, hein, les puces, on peut les faire à partir des bouteilles plastiques, par exemple. Nous avons investi dans l'achat d'une presse. C'est plus de 2 millions, 3 millions, environ entre 2 et 3 millions de bouteilles plastiques que nous avons collectées en 3 ans. Dans les villes de Douala et de Yaoundé. Après, tout cela devait être destiné à un marché. À un marché, vous devez dire, qui va les récupérer pour en faire quoi? Est-ce que ça va leur être utile? Est-ce qu'il y a des débouchés à la fin, une fois que nous avons ces bouteilles plastiques? C'est ça la problématique des entreprises ou bien des micro-entreprises qui sont spécialisées dans le recyclage des bouteilles plastiques. Donc, il y a le problème en amont des politiques et le problème en aval du marché. Alors, une fois dévoilé comme ça, on se dit... on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge parce que le combat contre la pollution plastique ne date pas de 2023. On est au cinquantenaire. Donc, mais la question est d'autant plus importante aujourd'hui, compte tenu des changements climatiques. Climatiques. Et on observe même que la production et la consommation du plastique a augmenté. Or, elle devrait baisser. Donc, vous voyez qu'il y a même des problèmes au niveau de la production. Et au niveau de la production, je suivais votre reportage tout à l'heure, quelqu'un qui relevait qu'il existe des lois qui limitent la production. Mais c'est produit où? Ce n'est peut-être pas produit au Cameroun. Ça entre au Cameroun comment? Peut-être parce que nos frontières sont poreuses ou alors ceux-là qui sont moulés par des idées économiques réussissent à trouver des mailles au filet pour pouvoir faire passer leurs produits qui vont être reversés sur le marché camerounais. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mais on ne devrait pour autant pas baisser les bras. Il faut insister sur la sensibilisation des masses. C'est très important. L'ensemble des canaux de communication devraient être utilisés. Et d'ailleurs, votre média, qui est si bien connu, est une occasion pour continuer à renforcer cette sensibilisation à l'endroit des différents consommateurs. Peut-être qu'il faudrait également questionner la responsabilité écologique de tous les Camerounais. Oui, c'est une responsabilité individuelle, d'abord à la base. C'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais pour résoudre le problème? Donc, il y a une responsabilité à avoir individuelle. Après, il y a la responsabilité de masse. À la maison, comment j'éduque les enfants, comment j'éduque mon entourage. À l'école, que font les maîtres, les maîtresses, les enseignants? En milieu estudiantin, que font les professeurs, les enseignants? Au niveau même de la cellule professionnelle en entreprise, est-ce que le tri est encouragé au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'on sépare les déchets au niveau de Dash Media Park? Exemple, si je peux le dire ainsi, je vous connais et je vous sais éco-citoyen quelque part. Mais il y a un ensemble de mesures que chaque individu devrait, ou un ensemble de gestes que chaque individu devrait poser. Et maintenant, l'État également, à travers ses différents démembrements, devrait définir des politiques, des mesures incitatives pour que les individus se reconnaissent et puissent véritablement prendre conscience pour pouvoir inverser la tendance. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette partie de votre émission. Joël Olomo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. D'accord. Mesdames et messieurs,
initialement prévu pour cette émission, nous devions parler du social-démocratique Front. Une alternance à la tête de ce parti est prévue pour le prochain congrès au mois de juillet prochain. Alors, je vous propose cet élément, malgré le fait que notre invité est décommandé à la dernière minute. Je vous retrouve tout de suite après cet élément. Il est considéré comme l'un des hommes politiques ayant fortement impacté le landerneau politique au Cameroun. Candidat à 3 élections présidentielles, depuis l'avènement du pluralisme, aujourd'hui, le leader historique quitte le fauteuil de président, poste qu'il a occupé pendant plusieurs décennies après avoir créé cette formation politique. Dans un état coutumier de la préservation de la présidence des partis politiques pour le premier vice-président national, le député Joshua Ossi, le congrès, qui aura lieu les 28, 29, 30 juillet prochains, sera historique. Le premier qui verra son président national quitter définitivement les plus hautes responsabilités du parti. L'annonce intervient alors que le SDF, ces derniers mois, a fait face à de nombreuses crises internes. En janvier déjà, 32 cadres de cette formation avait porté plainte contre le chairman Frundi pour violation des statuts du parti. Alors, je vous le disais, bien avant cet élément, l'heure de l'alternance a sonné pour le Social Democratic Front. À un mois de la tenue de son congrès, Joshua aussi confirme, le chairman ni John Frundi ne sera pas candidat à la présidence du parti. Créé le 26 mai 1990, en 33 années d'existence, le SDF, qui était jusqu'à récemment la principale force politique de l'opposition au Cameroun, n'a connu qu'un seul leader. Le chairman, qui ne sera certainement pas loin, laisse tout de même un parti fragilisé par les guerres de leadership à l'aura sérieusement émoussé. Alors, je pose la question à un autre invité du jour. Que pensez-vous de l'alternance à la tête du SDF? Les sujets sur l'alternance sont des sujets démocratiques et ce sont des sujets qui sont abordés dans l'ensemble des pays qui composent ce monde. Qui dit démocratie dit une bonne chose. Et dans un pays où la majorité de la population est jeune, on ne peut que se féliciter parce que là, on donne l'occasion, on donne la chance à des jeunes de pouvoir s'exprimer et pouvoir proposer des idées neuves, des idées innovantes dans un environnement où on a déjà beaucoup vu de choses ou bien vu un certain nombre de personnes pendant un certain nombre de temps. Donc, l'alternance au niveau du SDF est une bonne nouvelle en soi. Elle ne va en rien ternir l'image de son leader. Elle démontre plutôt quelque part que c'est un homme qui est à l'ère du temps, c'est-à-dire à l'ère démocratique, et qui est soucieux également de devenir de la jeunesse. Maintenant, cela ne garantit pas que nous aurons des résultats escomptés. Que va faire la jeunesse héritante? Ce qui me pousse à vous poser la question. De toutes les façons, Joshua aussi est de fait le successeur. Le député Joshua aussi est de fait le successeur du chairman John Frundi. Vous pensez que le futur chairman réussira à redonner au Social Democratic Front sa place de parti d'opposition leader, comme cela a été le cas par le passé? Le SDF est un parti important pour la vie démocratique du Cameroun, de par son passé, de par son histoire, de par son vécu. C'est d'ailleurs un parti qui a failli remporter une élection présidentielle, si mes souvenirs sont bons et ils sont très lointains. Maintenant, sans être dans les armoires de ce parti, M. Joshua jouit d'une expérience sur la scène politique camerounaise. C'est un député, ça voudrait dire qu'il maîtrise quelque part les arcanes du pouvoir. Et puis, il est entouré d'un certain nombre de collaborateurs. Mais le plus important, c'est ce que veulent les militants
en quelque sorte. Et ce que veulent les Camerounais qui ne sont pas de ce bord politique. Et est-ce que le SDF porte les intérêts encore de Camerounais et de ses militants? Et c'est dans cela que le futur chairman de ce parti devrait s'inscrire, c'est-à-dire essayer de mesurer, de comprendre les besoins et les attentes de ses militants et des populations et pouvoir définir une politique sociale, comme on l'a toujours connue, de par même déjà sa définition, une politique sociale qui puisse permettre aux Camerounais d'espérer ou bien de pouvoir sortir de la pauvreté. Devrait-on voir de ce passage à témoin un message transmis par le SDF au Cameroun? Oui, cela peut être interprété ainsi. Beaucoup de jeunes appellent de leur vœu à une certaine transition générationnelle dans tous les domaines de la vie publique, pas seulement dans la politique, même dans les entreprises, on peut faire le constat d'un certain nombre de personnes encore qui sont à des postes de responsabilité pendant longtemps, pendant qu'il y a des jeunes qui fourmillent, qui veulent s'exprimer, qui veulent faire ressortir tout ce qu'ils ont dans leur trip pour pouvoir changer de politique. Pour revenir sur l'alternance à la tête des partis, je tiens à souligner juste, Joël Lomo, que le SDF serait le premier parti où on verra, dans lequel on verra le président quitter, quitter son fauteuil pour le laisser à son, si on peut l'appeler ainsi, à son poulain. L'État est coutumier de ces présidents nationaux qui demeurent à la tête de leur parti pendant des décennies. Je suis d'accord, mais là nous sommes dans les statistiques. Et les statistiques, ce sont des belles choses. C'est très beau à voir. C'est dans le contexte camerounais, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose d'inédit. Mais je dis encore, et j'insiste là-dessus, cela ne garantit pas le résultat par la suite. Ce n'est pas parce qu'on mettra un jeune qu'on va forcément avoir les résultats escomptés. Donc le plus important, c'est ce que proposera cette jeunesse-là, qui était en quête de pouvoir se positionner. Mais le SDF là donne la pleine mesure de la chose. Cela peut inciter d'autres partis ou bien d'autres institutions également à se positionner là. Donc on reste là dans les statistiques. Attendons quelques années pour voir si ça avait été une bonne chose de changer de paradigme. De toutes les façons, le chairman ne pouvait pas se maintenir à vie à la tête du parti. Peut-être son âge et je ne sais pas. Il a décidé de laisser tomber, de passer la main. Oh, je n'ai pas la mesure de ce type de choses. Il existe dans le monde des présidents âgés. Il existe des présidents qui sont jeunes, qui n'ont pas le profil du poste. Donc c'est un débat qu'il faut mener avec beaucoup de subtilité. L'essence, l'essentiel est dans le développement des idées, dans les propositions des idées qui puissent permettre au pays de se développer. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Joël Lomo, une fois de plus, merci d'avoir de vous être prêté au jeu. Vous n'êtes certes pas un homme politique, mais merci d'avoir répondu à nos quelques questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une toute nouvelle rétrospective de l'actualité, mesdames et messieurs. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.